Suite de notre aventure dans Borderlands 3, direction falaise de l'Ascension sur Pandore. Alors, on a affronté de nouveau un brailleur, notamment dans cette zone-ci, mais on peut voir qu'on a une quête secondaire qui n'est pas très, loin. Donc, on peut en profiter tout de suite après l'avoir battu, ou sinon, il faut refaire toute l'Ascension dans la base ennemie et raffronter de nouveau un brailleur. Donc, je vous conseille de la déclencher assez rapidement si vous voulez gagner un petit peu de temps. C'est assez joli, pièce de crâne. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est dans la tête. C'est une tête dans un bocal et c'est loin d'être le truc le plus étrange que vous ayez déjà vu. Hé, hey, Vaughn, si tu connais quelqu'un qui cherche sa tête, crois que j'ai trouvé. Oh, c'est pas possible! C'est Vic, mon adjointe en chef! Ma meilleure potasse! Chope sa tête! Ils ont dû l'interroger en réalité virtuelle. Tu sais, on faisait ça aussi chez Hyperion. Quand on attrapait un espion industriel ou quand quelqu'un se faisait piquer sa salade au brocoli dans la cuisine et que j'avais pas le temps d'en refaire. Enfin bref, Vic est coincé dans une salle de torture virtuelle. Faut que t'ailles la tirer de là. Ah ouais, 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 ça me branche bien. C'est parti. Branche-moi, branche-moi. Je vais lui fouiller la tête. Tu devrais trouver une console près de la porte du Saint-Centre. T'as qu'à y brancher la tête et ton écho te numérialisera directement à l'intérieur. J'irai bien moi-même, mais... la réalité virtuelle, ça me dégoûte. Hors de question que je me laisse démembrer molécule par molécule. Moi, je suis plutôt 100% analogique. Et je dois avouer que je pensais pas que les DDA utiliseraient la VR, mais... c'est vrai aussi que c'est vachement moins cher qu'avant. Il y a même des gens qui se créent des mondes entiers pour vivre dedans. Ouais, c'est bizarre, ça. T'en as aussi d'autres qui revisitent des mondes vieux d'au moins... 7 ans. On a ici... casse la tête. Super, maintenant entre dans la salle de torture virtuelle et sauve-la! T'es dans la simulation! Vic est quelque part là-dedans! Tu vas devoir la trouver et la libérer! Amène-la jusqu'à la console de sortie! Ça reconstruira son corps dans le monde réel! Je préfère ma meilleure potasse en un seul morceau! Oh non de Zeus! Quand ils l'ont transféré, ça a dû fragmenter ses derniers souvenirs! Tu vas devoir essayer de les retrouver histoire de lui rappeler qui elle est à son réveil! Fragment mémoriel 1. Salut moi-même. Notre crétin de chef, Vaughn, a enfin pris une bonne décision. Il m'a nommé adjointe en chef des éclipseurs. Il aura bien pris son temps pour remplacer l'adjoint Frometon après son petit plongeon dans cette fosse remplie d'acide. Merde, lui au moins il avait le sens de la fête. Vaughn est sympa, mais il vaudra jamais Frometon. Alors, on aura une meilleure récompense si on retrouve tous les... pour ceux de sa mémoire, par contre, je pense qu'on va pas être déçu, ça commence bien. Elle apprécie Vaughn, mais ouais. Montre-moi ce que tu sais faire, Tigra. Les ténèbres vont là. Pas trop si j'ai envie qu'ils reviennent. Et si on discutait un peu? Ne souffrez pas, mes typiquement l'arme qu'il faut absolument que j'améliore la vitesse de rechargement parce qu'il n'y a que 5 balles. Les deux premières elles en tirent 2, puis 2, puis 1, mais alors les dégâts sont juste dantesques.
En gros, ça nous fait revenir là où il y avait le brailleur. Qu'est-ce qu'elle va balancer? Fragment mémoriel 3. Tu vas pas le croire, moi. J'ai montré le bidule alien à Vaughn et il est devenu super bizarre. Il m'a dit de le planquer. Ah, tout le clan pourrait bouffer du caviar de sale gosse pendant des mois si on vendait ça au DDA. En plus, c'est moi qui vais passer pour une connasse quand je vais dire au gars que finalement on le vend pas. Tu parles d'un chef, putain. Il a pas la moindre idée de ce qui est bon pour le clan. Fragment mémoriel 4. C'est ton moment, moi. Ce crétin de brailleur veut le bidule alien et Vaughn refuse de le vendre. On doit être le dernier clan de Pandore à pas avoir rejoint les DDA. Les éclipseurs ont besoin d'un nouveau chef. Tu vois très bien de qui je veux parler, moi. Je parle de toi, moi. C'est pour ça. T'as trouvé tous ces souvenirs? Super. Oh, je suis pressé de les entendre. Vic et moi, on est comme les deux doigts de la main. Ouais, je suis pas sûr. Allez, ma super potasse de la simulation. Secrète. Regarde dans quel état je t'ai mis. Il y a beaucoup de monde là d'un coup. Hein. Quelque chose me dit que je vais réaffronter un brailleur. Ah bah non. Allez, faut sortir de là. Non, je peux pas partir. Il va encore m'arracher les bras. Ça fait super mal, même si ça repousse. J'y comprends rien. Elle s'est fait tuer. Déjà au moins 50 fois. Touche pas ma prisonnière. Viens par là, faut que je parte. De surprise pour ton anniversaire. Et ça a super mal tourné. C'est super bizarre. J'aime pas ça du tout. Faut que tu me fasses sortir de là. Bon, pas de brailleur. Ok, donc go back arrière. Bah, les autres, bon. Ah, quel putain de cauchemar! Merci de m'avoir sorti de là-dedans! Vic! T'es en vie! Enfin, techniquement. C'est à moi qu'il parle! Bon, Vaughn, écoute. J'ai été conne. Ils sont cinglés chez les DDA. On a voulu les rejoindre, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est nous tuer et nous torturer, dans cet ordre! J'ai bien peur de devoir être assez brutal avec toi, Vic! T'as intérêt à me faire au moins 100 pompes d'excuses. Vite fait, bien fait. Et quand t'auras fini, tu viens boire. On a un nouveau clan. Vive les pillards écarlates. Les pillards écarlates? Ouais, pourquoi pas? Bah, tant que c'est toi qui fais les pompes d'excuses. Ah, au fait. Tu m'as sauvé les miches, alors. Tiens.
J'ai piqué cette arme quand on était dans cette prison numérique sans fin. Je te la donne, elle est à toi. Ok, c'est un peu bizarre. Mais non, allons. J'ai toujours rêvé de m'accorder plus de temps. C'est parfait. Je peux papoter avec ma personne préférée. Mais est-ce que toi, c'est moi ou moi, c'est toi? Waouh. Ouais, ça fait mal à la tête. Et la tête, c'est un peu tout ce qui me reste en ce moment. Mais sinon, faut que je te nourrisse, peut-être? Je crois que le liquide dans lequel je flotte me maintient en vie. J'ai même plus de système digestif, en fait. Mais j'ai gardé des papilles. Tu pourrais peut-être me jeter des petites gouttes de sauce. T'as la meilleure vie! C'était peut-être pas si mal de me faire connecter à un appareil de torture pour une éternité simulée d'horreur sans nom, finalement. Ouais, top là! Eh, c'est pas cool. Ah, pardon. Désolée. On a terminé avec cette zone. Alors, on continue le grand nettoyage. De retour, l'âme diabolique, toujours sur Pandore. Là, on est dans le repère de Vaughn. Faible et furieux, faites votre BA et emmenez un gentil petit vieux faire un tour dans le désert, ça lui fera le plus grand bien de prendre un peu l'air. Si vous m'entendez, j'ai une mission pour vous. Peu importe qui vous êtes, j'ai juste besoin de quelqu'un pour conduire mon salopard de papy. Il a des courses à faire. Et pendant ce temps-là, au moins, je l'aurai pas sur le dos. Passez le prendre devant chez moi. Parlez à Lydie. Ok, c'est pas très loin. Et voilà. Vous venez pour le job? Super. Oh, il était temps que quelqu'un se dévoue. Bon, le vieux crouton est dans la voiture, là. Conduisez-le où il veut, jusqu'à ce qu'il ferme son clapet. Sale petite ingrate, hein? Je devrais te tanner le cuir comme quand t'étais qu'une morveuse. T'étais un accident, et tu restes un accident. Oh. Ah ouais? Cause toujours, vieux pourri du trognon. Ramenez-le ici après les courses. Ou pas, d'ailleurs. Ça me rendrait plutôt service, au fond. T'as quoi de papy? On se connaît pas, mais vous êtes clairement une trace de plus dans une omelette à la merde. Vous servez à quoi? À rien. Voilà ce que je dis. Et allez hop, en route. Et conduisez pas à toute berzingue. C'est compris, chien de bonhomme. Continue comme ça, Pépé, et tu vas le sentir passer. J'en ai rien à cirer de ce que vous dites. Je parie que Lizzy serait plus contente qu'un skag en chaleur si je rentrais pas. Mais reconduisez-moi en vie, et vous toucherez un beau pactole. Alors allez me tuer ça, pauvre usine à merde de Bonaria. Récupérer des capsules de lait d'insectes. Le jus de leur capsule, ça me fait aller à la selle. Oh là là. Pas que je me dérègle non plus. Pas trop de détails, s'il vous plaît, pas trop de détails. Vous pouvez pas les tuer plus vite, espèce de polyprétel. Je vais pas en rajeunissant. Ça fait 3 jours que ça mijote. Je vous raconte moi le petit trajet dans le colon. Non, arrête. Faire de la place à l'intérieur. Arrête. Maintenant j'ai rendez-vous avec un numismat. Il va me céder sa collection. Bougez-vous. Qu'est-ce qu'on attend? Vous pourriez pas ralentir? On n'est pas dans une course à la mort. J'ai besoin de savoir. En détail, où est-ce qu'on va? Je
J'aurai une mission avec Lapinou. Dépêchez-vous, si vous voulez pas que je vous en colle une derrière le crâne. Je peux sentir cette mycose tordue et ses pieds satins à 1 km. Allez le prouver, espèce de gens foutre. Un peu mort. Les bandits l'ont zigouillé. Ce qui veut dire que j'ai pas à payer pour les pièces. Bien. Changement de plan, face du reître. Allez dans ce campement et récupérez sa petite collection. D'accord. Fusil à pompe électrique, c'est génial hein, pour les mecs avec les boucliers, franchement. Oh là là, c'est quoi ce mec là? Allez, c'était moins une. Avec encore une fois tous ces effets visuels qui sont insupportables. On voit même plus où on est. J'ai l'impression qu'on l'a tué finalement. Encore plus dégoûté qu'il m'ait crevé. Là c'est pareil. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun à cet étage en fait. Faut grimper. Si c'est passé là? Ah putain, mais d'accord. Et j'ai atterri le cul dans un baril de rang. Alors il m'en reste deux. J'ai grimpé. Ok, grimpant. Je me souviens que j'avais été chercher un truc en grimpant ici, où je retrouve mes marques. Ah, je recommence. Ugh!
encore grimper, mon dieu. Par là. Peut-être chercher d'abord celui-là. Ah d'accord, ok, putain. Ah, ils sont un peu casse-pieds avec leur truc là. Est-ce que ça a passé? Eh oui! Rapportez les pieds-pieds à papy! Qu'on fasse à autre chose! Émaniez-vous, raclure de fion! J'ai pas toute la journée! Le dentiste m'a volé mes bonnes dents et je veux les récupérer. Il m'a dit qu'il voulait implanter des dents sur ses dents. Bref, des foutaises de bandits. Reprenez mes dents. Est-ce qu'ils veulent qu'on aille cette fois-ci? Retourner là-bas, ok. Vieille baderne dit que vous lui avez volé ses dents. Non seulement je vois pas de quoi tu parles, mais surtout je m'en fous. Non, ses dents à lui. Prenez-lui ses dents, truc balactéique. Personne touche à mes dents. Bonne volonté, petit gars. Faut faire long feu, hein. Prenez-lui ses dents, j'en ai besoin. Quand je vous dis de les prendre, vous les prenez comme un bon doudou. Tout de suite, j'ai dit. Et n'allez pas croire que je vais m'attendrir et vous couvrir de remerciements. Conduisez-moi à la maison, Roland de fausse sceptique. C'est vraiment un sale connard, hein. Impossible d'éprouver de l'empathie pour lui. Hé, hey, Lizzie! Donne-lui tout l'argent que j'ai caché sous le matelas! Oh, super! Il est de retour et en un seul morceau! Hourrah! Merci de l'avoir sorti quelques minutes. Ces courts instants de calme absolu m'ont fait un bien fou! Tenez, voilà les sous que papy garde planqués. Noyez-vous dans votre piste! C'est méfurieux. Retour chez notre ami. Dynasty Dash Pandore. Aider Bo à livrer ses fameux Dynasty Burger à des clients affamés sur Pandore et ne l'embinez pas. Hé, toi! La personne qui reçoit mon message! Je suis grave dans la merde! Il faut que je livre ces Dynasty Burger à des clients dans le secteur! Et ça urge! Alors allez! Dépêche-toi! Et si tu crois...
croise les enseignes de mes concurrents, t'as qu'à leur tirer dessus. Je te filerai du temps supplémentaire. Oula. Nous avons un temps. On va prendre quelque chose de rapide alors. On a même un bonus si on est ultra rapide. Rappelez-vous, pour des burgers de qualité, pensez Dynasty. Next. C'est le dentiste, non? Je croyais que t'étais plus rapide que ça! Avec 9 minutes restantes, ça s'appelait Flash, non? Merde, putain, c'est loin! Petite fête ici! Next. Marche arrière. Si là c'est risqué de faire une traversée pour livrer le dernier rapidos, on va voir. Comment on le sent. Ah, on vaudra mieux revenir en arrière. Livraison de burger à manger pendant que c'est chaud. Oh là 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 là. Se faire attaquer. On va le faire sous les 5 minutes. Le temps presse sans décoller, je t'adore! Ces burgers à l'air refroidir et y'a rien de plus triste que des burgers tout tièdes. Merci! Retourne voir mon enseigne pour toucher ta paye, ok? Veulent toujours des burgers. Promis.